Yo tout le monde, c'est Floui et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle information. Donc aujourd'hui il y a eu des hackers encore qui ont hacké des comptes PSN et Microsoft plus Amazon avec leur carte bleue. Donc franchement là sur internet ça part complètement en couille, il y a plein de hacks partout. Donc je suis accompagné de TZB. Salut. Donc les informations sont en anglais, donc moi je sais pas trop parler anglais, etc. Donc à mon avis le titre vous avez compris hein, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc je vais laisser TZB vous expliquer le texte qui est vers le bas. Donc voilà, déjà donc vous avez un screen en ce moment sous les yeux, donc vous voyez que des hackers ont release plusieurs comptes, donc 13 000 mots de passe et cartes de crédit, donc des comptes PlayStation, des comptes Xbox et des comptes Amazon. Donc voilà, on voit aussi qu'ils ont donc dit donc toutes les informations nécessaires pour pouvoir faire un achat sur internet, c'est-à-dire la date d'expiration de la carte bleue, le truc qu'il y a derrière et les mots et les codes pardon. Donc ça veut dire que bah c'est écrit qu'ils ont mis un document en fait en ligne, donc où il y avait les mots de passe et tous les comptes Amazon, PlayStation et ainsi qu'Xbox, et c'est écrit encore en dessous que le groupe a dit à leurs followers qu'ils ont juste hacké tous ces comptes pour le plaisir, pour le fun en gros. Ils l'ont juste fait parce qu'ils s'emmerdaient, ils avaient en fait normal quoi. Ils avaient envie donc d'hacker comme ça juste pour le fun, ils ont, ça se trouve, dépensé des milliers d'euros déjà des comptes Amazon des gens et eux ils s'en battent les couilles. Donc voilà, je vais laisser un petit peu Floyd dire ce que t'en penses. Toi, à mon avis, tu dois pas être très content comme moi. Ouais, bah surtout que ça part des gens en couilles sur le PSN, etc. Il y en a marre, donc je sais pas y a quoi en ce moment, c'est une guerre internet. Ça hack de partout, je comprends plus rien, ça part complètement en couille sur internet. Donc c'est vraiment chaud chaud. Surtout qu'on voit que il est marqué hacking group Lizard Squad. Donc c'est des membres de. Enfin je sais pas si c'est ça. On sait pas bien. Ouais j'ai vu, mais en fait comme les Lizard Squad en ce moment sont au cœur de toutes les embrouilles, ils ont écrit donc ce serait peut-être Lizard Squad ou quoi. En tout cas, on n'en sait rien. En ce moment on dirait qu'il y a beaucoup d'hackers qui essayent de se faire un nom, de faire des trucs comme ça. Ouais. C'est un petit peu chelou. Et d'ailleurs si vous avez des comptes Amazon ou des comptes PSN ou quoi, vérifiez bien que vos données carte bancaire sont enlevées, parce que sinon je sais pas si ça a été hacké dans le monde entier ou juste en Amérique, mais en tout cas faites vraiment gaffe. Voilà. Bah, en tout cas, je sais qu'il y a un abonné ce matin, il m'a dit comme quoi il avait perdu tout ce qu'il y avait sur le PSN. Donc il s'est reconnecté. Et il n'y avait plus rien en fait, le mec. Ouais, donc voilà, faites très attention, allez tout de suite enlever en voyant cette vidéo si vous n'avez pas déjà vu l'information sur internet. Allez vite enlever vos informations de bancaire parce que sinon ça peut être très grave quoi. Ouais, surtout que le PSN sur PS3, je crois apparemment il s'est un peu remis, mais ça rebug toujours, enfin il y a encore des DDoS, etc. Il y a encore des attaques quoi. Ouais, donc n'hésitez pas à enlever vos cartes bleues, car franchement là ça part complètement n'importe quoi, ça hack de partout. Surtout sur Amazon, donc enlevez tout ce que vous avez, cartes bleues, etc. C'est parce que là ça peut. Enfin, ça peut vous hacker et c'est chaud quoi. Ouais. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je pense qu'on a tout dit, hein. T'as plus rien à rajouter. Non, juste n'hésitez pas à laisser quand même un like si ça vous a aidé, si ça vous a permis d'éviter le pire. Et commenter voilà. En disant ce que vous en pensez quoi de tout ça. Ouais, n'hésitez pas à commenter en donnant vos avis. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo information vous aura plu. Donc comme il y a dit TZB, n'hésitez pas à la liker, ça fait vraiment plaisir, à la partager et à la commenter. Et nous on vous dit bye tout le monde. Allez, ciao.